Qu'il fasse un QSO ce soir. Quand je dis ça, il est déjà 22h05. Et dans tous les modes. Coca-Cola!
Je ne sais pas si... Attendez. Attendez une chose que je vois ici. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, département 33. Il est encore là, lui. Il s'arrête jamais, hein. C'est un excité permanent, celui-là. Au moins, avec lui, on sait qu'on a propagé, là. Il y a toujours un beau côté à voir. Un chie trois coups. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département 33. Come on.
Ah bah d'accord. Pourtant il y a de la propague, puisque là on entendait là un QSO qui était pas tout à côté, et ce 155 c'est le vide complet quoi. CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Mobis Sud-Ouest France, le département de la Gironde. En fin d'après-midi, à un moment donné, il y a eu des départements français là, qui sont passés, mais bon, on ne peut pas être partout. Appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Mobis du Sud-Ouest France, département de la Gironde. Attention,
Putain, je comprends rien. Attention, le département du Var pour le département de la Gironde qui vous appelle. J'entends la Gironde, oui, bonsoir. Merci. Ok, les bus 13-51 à vous, de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile sur le sud-ouest de France, du côté de Libourne. Oui, mais un petit peu moustachu, là, 14 Delta Romeo du côté de Libourne. Oui, 73, c'est 5355 sur Toulon. À 10 km de Toulon, là, en bordure de mer, on fixe au PA. J'ai entendu le prénom, mais j'ai pas pu comprendre, il est un petit peu moustachu, là. Voilà, je vous entends le micro, Libourne. Ok, 100% QSL de mon côté. Ouais, donc c'est 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Romeo Echo Mike Yankee, Rémi, QRZ local sur le département 33, Dandy 33 en mobile actuellement sur la rocade de Libourne en direction de Bordeaux. Ok Rémi, il y a eu des balles, j'ai bien compris, là, sur la rocade de Libourne. Rémi, bonsoir, je vous souhaite un bon week-end. Pour la film, j'ai eu des balles, là. Donc, je vous remercie de l'avoir entendu et merci de m'avoir répondu également, Rémi. Les 14 de Saint-Roméo, et pour les interrogations, j'ai pas pu noter, tant pis. Tant pis, Rémi, bonne soirée, bonne roulade. Et si le prénom est Roger, pour ce soir, on est au top 3. Ok Roger, il n'y a pas de problème, c'est enregistré de mon côté. Les modes 73-51 à vous et bon QSO. Oui, Rémi, à bientôt. Bon ben voilà, ça c'est fait. CQO, local, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur la rocade de Libourne. Les 73-51, les SWL de la part de Dandy 33, 14 Delta Romeo 33 en mobile sur la rocade de Libourne. Pas fait le QSO.
soit il est déjà terminé. Allez, on remonte à l'étage. Hop là. Je me sers des commandes du micro, c'est plus pratique. J'ai la main comme ça qui est posée sur le levier de vitesse. Les commandes du micro qui sont juste à portée de main, tout en gardant la main sur le levier de vitesse, et tout va bien. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, qui vous propose un QSY sur le 27 565, 27 565. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. Hop là, oui la station, ça a été très bref là de mon côté, les bus sont 13-51 à vous, de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, sur le département de la Gironde et plus précisément sur la Nationale 89, Libourne-Bordeaux. Hey, il est 73 Eric, eh ben, tu vois là je m'en vais au pro. Eh, j'ai 73 également, affirmatif. C'est voilà, tiens, juste avant, là, j'ai fait le département du Var, là, tout à l'heure. Là, j'étais un petit peu surpris, j'entends quelqu'un appeler qui passait même plus fort que vous deux. Et du coup, il a proposé un QSY, là, l'OM, sur le 27-710. J'ai suivi derrière le département du Var. Allez, hop. Oui, jusqu'à 8h demain matin. Bah,
affirmatif. Pour le prénom, c'est Rémi. Roméo, Comac, Yankee, Rémi. Voilà, ouais, je m'en vais là sur Arctique, là, ce soir. Ces jours-ci, là, j'étais du côté de La Roche-Chalais, là, sur le département 24. Ce soir, je suis sur Arctique. Le prochain coup, je sais pas où je serai. Il faudrait peut-être que j'aille mon planning de temps en temps. Ah, j'ai trois coups. Oui, voilà, je suis exactement dans la descente vers le petit village La Poste. Voilà, là je suis quasiment rendu en bas. Alors là, ça doit baisser un petit peu, quoi que je dis ça, mais bon. Il y a la boîte de miroir qui est en marche quand même derrière. Voilà, donc okay. Là je suis en plein dans le trou là. Alors j'embauche à 23h. Ouais, c'est bizarre comme horaire. Disons que c'est bizarre, pas vraiment, parce que le premier collègue, celui qui fait la première partie, je crois que lui il a embauché à 19h. Donc 19h, 8h demain matin, c'était pas possible. Là, sur ce site, ils ont été obligés de couper toute la plage de vacation en deux. Quoi. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, c'est bizarre. Ouais, oui, c'est vrai, sur le même endroit que c'est notre forme, là, c'est la pièce nationale. Non, la dernière fois j'étais sur Blanquefort. Tiens, là j'étais encore là ces jours-ci aussi. Là-bas, ouais, je navigue entre. Là je navigue en ce moment. Les voyages font la jeunesse. Trois coups. Là où ça passe le mieux, je vais. Voilà, sur Artigues. C'est là où on a fait le pied sur la chaîne, où tu étais en pente sur Artigues. Ah bah oui, oui, c'est ça, oui. Parce que le coup d'avant, j'étais sur Blanquefort. Et ouais, le coup d'avant, c'est ça, j'étais sur Blanquefort, donc c'est d'être, je sais plus où. Ok, affirmatif, c'est bien ça. Voilà, là je suis sur Artigues. Par contre là, si ça dérange pas, là je suis en train de faire là, une petite vidéo, donc ça peut l'aider là pour pouvoir écouter ce que ça donne justement là, au niveau du réglage. Pour ma part, si je peux me permettre de donner un avis, de mon côté ça fait une modulation un petit peu sourde et dans les médiums. Bon, ça tu pourras l'écouter sur la vidéo si tu es d'accord
d'être enregistré, bien entendu. Okay. C'est vrai que par moment j'ai un petit peu de mal à entendre. C'est bon, c'est pas grave, hein. je fais avec, hein. je tends un peu plus l'oreille, j'essaie de décoder un petit peu plus. Mais c'est vrai que là, de mon côté, là, sur Arctique, là, c'est pas évident. Hein. Oui, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que autant Eric, il a une radio claire, nette, pure, hein, autant c'est vrai que là, c'est particulier. Voilà, bon, là, il est quelle heure? Oh putain, je suis en avance. C'est bon, je vais pouvoir m'arrêter là avant d'arriver. Si j'arrive trop tôt sur le site, c'est risquer de voir le collègue partir de suite. Et moi, le bénévolat, c'est pas mon truc quand je suis au boulot. Voilà, c'est bon, je suis quasiment arrêté. Voilà, ok. Ouais, voilà, c'est bon, je suis arrêté là. Là, je dois être à quoi? Je dois être à 100 mètres, quoi. Ouais, mais c'est vrai que si. Allez, quand tu l'as enregistré, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que c'est vraiment un aperçu de la modulation. Ouais. Parce que c'est vrai que même moi, quand j'utilise le moniteur et puis qu'on s'entend à côté, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, voilà. Ok, vas-y, là j'ai décroché la caméra de dessus du poste, je suis braqué là carrément sur la caméra, carrément sur le haut-parleur. Voilà, comme ça là tu vas pouvoir voir ce que ça donne. Vas-y, là, reprends le micro, dis-moi ce que tu veux, les réglages que tu as fait, les réglages que tu as fait ou les bidouilles que tu es en train de faire, histoire d'avoir quelque chose là pile face à la caméra, on va dire, au niveau son, quoi. Ok, ce serait pas mal que tu rebascules sur l'autre. Tiens, c'est marrant, là aussi la modulation est assez dans les médiums. Donc il y a peut-être aussi du côté des cordes vocales où c'est un peu comme ça, vu que je te connais pas de visu, quoi. Ouais, ce serait pas mal justement, là, pendant que j'ai la caméra en main, là, décrocher de son pied, hein, pour que tu puisses voir ça, quoi. Là je m'en occupe là cette nuit là de la vidéo, donc le plus rapidement possible, et demain au réveil, hein, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Écoute, je vais changer de poste là, je vous laisse causer un peu, je vais changer de poste et puis je vais revenir. Ok, ça marche. Ah ben là, pour être précis, tu as une voix claire, nette, un petit peu métallique, hein, et qui passe très bien. Au contraire, là, comme ça, c'est parfait, on va dire, parce que là, au moins, comme ça, ça porte plus loin, quoi. Ouais,
parce que je te dis là, j'ai toujours l'équaliseur. Quand j'ai 15 ans, j'avais l'équaliseur externe, comme j'étais avant, c'est vrai que c'était pour moi, c'était pas évident. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux là. Ouais, affirmatif. Ouais. Bon, allez, peut-être qu'il est. Attends, c'est Christian, je crois. Il est peut-être de retour, voyons ça. Non, c'est Alain. Ah, zut, Alain. Attends un peu, il y a un QRM là, qui est en train de balayer la fréquence. Oh la vache, je sais pas comment c'est Eric de ton côté, mais j'ai un QRM là qui est en train de balayer là. Non, j'entends la prestation derrière qui parle, mais c'est vrai, ouais. T'es prêt Rémi à écouter? Ah oui, je suis tout oui, mais là d'un seul coup, là, je sais pas pourquoi, j'ai un QRM là de mon côté là qui est monté. J'espère qu'il va se dissiper, mais j'ai la caméra là qui est pile sur le haut-parleur extérieur là du push. Donc il n'y a pas de souci, ça tourne. C'est bon. Derrière là, qui arrive relativement fort. Et ben là, je suis en train de faire avec le gazo. Ok, bon, je t'ai confondu avec l'Italie, mais il n'y a pas de problème. Ok, là, c'est, j'étais dedans. Ok, c'est bon. D'accord, écoute, on verra ça demain matin. On ira voir pour écouter un peu ce que ça donne. Oui, affirmatif, au choix, soit directement sur le forum La Planète Sibi Francophone ou sur le groupe Facebook du même nom. Ou directement sur YouTube, à Hachi. J'ai mis le poste en route cet après-midi après l'avoir reçu. Et donc, j'ai passé beaucoup d'essais. Hein. Ok, ben là je t'entends bien là. Peut-être que tout à l'heure, je sais pas, là je t'entends mieux que tout à l'heure. Peut-être que tu avais la main un petit peu devant le micro, je sais pas. C'est ce qui donnait peut-être cette impression de voix un petit peu sourde. Mais là en tout cas, là je t'entends mieux là. Oui, mais j'ai changé dans le menu là. J'ai changé tout à l'heure, c'était pas comme ça. Ah, d'accord, ok. Autrement, oui, moi aussi, c'est pareil. Hein. J'ai un Yaesu FT450 au cuir. Hein. Écoute, moi, j'ai le TS450 SAT. Là, c'est Kenwood. Et là, j'ai reçu, j'avais commandé sur l'Italie, j'ai reçu samedi, enfin vers 13h, dans le transporteur, j'ai reçu le FT450 de chez Yaesu. Je suis allé déjeuner puisque j'étais invité au restaurant et en rentrant cet après-midi, je me suis empressé de le déballer et de regarder un petit peu la doc afin de le mettre en route et de faire quelques petits essais. Là. Voilà, et puis là j'ai entendu Eric, je ne devais pas en trouver, j'ai entendu Eric. J'ai dit tiens, je vais signaler pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez ce soir. Ok, ben ça marche bien là. Là, ce coup-ci, ouais, c'est vrai que là, maintenant que tu as retouché le réglage, ça va beaucoup mieux là. Écoute, on va laisser comme ça, hein, on verra bien. Ok, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je trouve que c'est un petit peu mieux que tout à l'heure, ouais, mais c'est, ouais. Après, allez, si t'es mis sur quel numéro de revue, parce que t'as le numéro de 0 jusqu'à 8 ou 9, non? Oui, je suis sur le 8 là. Ouais, il y a quelqu'un qui fait des essais dans le lointain derrière. Je suis sur la position 2. Ah, c'est tout. Ah, mais ben moi je préfère un essai, c'est mieux. Alors je te dis que j'ai rien touché. Je t'ai dit quand tu m'as demandé, je t'ai dit que je suis sur la position 2 et je suis toujours resté sur la position 2. Ah bon, alors mets pas sur la 1 pour voir si je vois une différence. Voilà, et là je
sur le 1, c'est bien étouffé. Ouais, un petit différent pour moi. Après, tu dis que c'est sur les modulations, et puis les goûts, hein. Dans les goûts et les douleurs, les goûts et les couleurs, hein, c'est pas évident, hein. Eh bien, vu d'ici, les deux, je trouve bien. Hein. C'est vrai que après, ouais, entre 1 et 2, là, c'est un choix qui est plutôt personnel. Est-ce que à tout hasard, tu peux sans micro, sans rien, mettre un poste comme ça, juste en RX, à côté, sans antenne, sans rien, juste pour avoir un retour dedans pour que tu vois ce que ça donne. Est-ce que ça t'est possible de le faire? Oui, mais je vais essayer avec le récepteur, hein, parce que j'ai le récepteur ici, je l'ai fait, et là, je suis avec le moniteur de poste et le haut-parleur, le casque de brancher. Voilà. Après, la possibilité de monter 400 watts ou un peu plus comme tu veux. Quoi. Non, mais là, il y a 80 watts en modulation. Je l'ai baissé à 5 ou 6 watts, je crois. Et là, je vais vous monter à 100 en position 100 watts. Et ils sont 85 watts. Je ne sais pas pourquoi tu fais en modulation normale, je parle. Je te dis, en modulation comme je parle, il est à 85 watts. Ok. Bon, mais je vais laisser la modulation comme ça. Hein. Puis on verra quand je reçois le MD200, ce que ça donne. Ah, mais tu vas avoir une différence, c'est sûr. Même le machin, le MD100 ou le MD200, par rapport au micro d'origine, il n'y a pas photo. Hein. Oui, non, mais tout à fait, je vais voir. De toute façon, j'ai commandé le MD200, comme ça. Ok, allez, on t'en va. Ok, ça tombe bien, je suis en train de voir l'heure, 22h50. Donc, il va falloir que je passe QRT, là, que je me rapproche là, du site. Donc les boss en 1351 à vous, merci pour ce petit QSO bien sympathique. Et bah demain soir, de toute façon, je suis avec l'YL, on est en balade sur Bordeaux. Demain après-midi, ouais, on se tape un cinéma. Après, il y a, je crois que c'est la fête du fleuve ou la fête du vin ou je sais pas trop quoi. Ce qui paraît, sur les quais de Bordeaux, il y a des bateaux là un peu partout. Donc voilà où on va passer la soirée. Donc les bonnes soirées, 1351 à vous, et merci pour ce QSO et bon week-end. Ok, oui, écoute, tu finis à quelle heure demain matin, 8h? Ouais, affirmatif, 8h. Bon, ben je devrais être par là vers 8h et tout ça, de toute façon, on aura l'occasion de discuter. Ouais, affirmatif, ouais, j'ai compris, il y a des fréquences beaucoup trop hautes où je vais pas, hein, pour diverses raisons diverses. Allez, on va dire que la plus raisonnable est par rapport au réglage de l'antenne qui me donnerait trop de tosse en haut. Voilà comment, une façon polie de dire les choses. Hachi, les 73 Alain et ok Eric, et bien je serai en stand-by sur la route, il n'y a pas de problème. Et les modes sont 1351 à vous deux. Ok Eric, bonne soirée, bon courage pour cette année. Ça marche, merci, bye bye. Au fait, Eric, normalement, là, le réglage de mon côté, là, derrière, ça devrait être bon, là, ce coup-ci, là. Je l'ai rectifié à nouveau, là, il n'y a pas longtemps, là. Attends, j'y pense, tu vas le week-end prochain, tu vas à la butte de l'année. Oh, putain, je l'ai zappé, quoi. Le week-end prochain. Ah ben non, j'ai pas... le week-end prochain. On est le combien, là? Non, on n'est pas... On est quoi, là? On est quelle date? Non, je vais me tromper, c'est dans 15 jours. Le 29, c'est ça.
Ah, ok, oui, je sais plus, c'est le samedi ou le dimanche, je sais plus quel jour c'est, je crois, là, pour eux. De toute façon, j'ai l'annonce. Donc là, j'ai pas encore mon planning. Je sais pas ce qu'il en est encore. Ouais, parce que comme j'ai vu sur Facebook que tu avais mis que tu serais présent, c'est pour ça, voilà. Mais je sais pas, moi, faut que je contacte Milo, si on fait comme l'an dernier. Mais comme j'ai dit à Milo, si on y va, on y va passer la journée, hein, parce que la fois, on est arrivé que dans l'après-midi, ça fait trop court, après, on reste pas longtemps. À la limite, on s'en va à bouffer, puis on mange tout ensemble là-bas. Ah oui, ouais, faudra que... Putain, je sais plus, quoi. Ah, toujours cavaler à droite, à gauche et tout, ça, là, là. Je sais plus ce que je fais, quoi. Ok, ça marche, d'accord, ouais, faut que je repartage. Bah, si c'est dans 15 jours, c'est bon, j'ai encore le temps, là, de remettre l'annonce en avant, on va dire, côté Facebook. Ok, d'accord, ok, on voit ça, j'attends de voir mon planning pour être sûr et certain. Vu ce que tu viens de me dire à première vue, ça doit être bon pour moi. Je sais que le planning a été modifié encore là ces jours-ci, je sais pas, j'attends de voir. C'est vrai que côté pro, moi c'est plutôt compliqué. Hein. Allez, je vous laisse, les belles soirées 1351 à tous, merci pour ce QSO, bye bye. Ok, bye bye, écoute, on va contacter les autres, tu me tiens au courant. Voilà, allez, 73. Les nouvelles de Ludovic, de Fredo, j'ai des nouvelles de personne. Je sais pas du tout ce qui se passe. Ok, putain, faut que j'y aille. Oh oui, il est presque moins 5. Merci, bye bye. Ouais, bye bye, ok. Allez, mais je te laisse aussi, mon petit ami du Blayet. Écoute, Eric, je te souhaite une bonne soirée. Et puis moi, je vais faire un petit tour. J'ai l'antenne qui doit être tournée sur la Guyane, donc je vais voir si éventuellement il y avait quelque chose. Et puis s'il n'y avait rien, eh bien, je couperai les émissions et je vais me coucher. Voilà, ce que je vais faire de ce poste-là, je vais me contenter de le laisser à cette puissance. Pardon. Je le laisser à cette puissance et puis je ferai du local ou du grand local avec la puissance de l'émetteur.